Le second livre des Chroniques, chapitre 21. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, Jehiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shephatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David, à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David, et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta dans le même temps contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père, voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour, jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. » Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes, qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, y firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi, et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances. Et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Le second livre des Chroniques, chapitre 22. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Entraîné par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre
contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Akazia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimski, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Akab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Akab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Akazia qui étaient au service d'Akazia, et il les tua. Il chercha Akazia, et on le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent, car il disait, « C'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. » Et il ne resta personne de la maison d'Akazia qui fut en état de régner. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Yoscabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Yoscabéat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Yehojada et sœur d'Akazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Le second livre des Chroniques, chapitre 23. La 7e année, Yehojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines. Azaria, fils de Jérocam, Ismaël, fils de Yochanan, Azaria, fils d'Obed, Maaseja, fils d'Adaja, et Eliskaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël. Et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Yehojada leur dit, « Voici, le fils du roi règnera, comme l'Éternel l'a déclaré, à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateurs et lévites, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi et un tiers à la porte de Jésod. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. » Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Yehojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le sacrificateur Yehojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Yehojada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Yehojada et ses fils loignirent, et ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Et les chantres, avec les instruments de musique, dirigeaient les chants de louange.
Athali déchira ses vêtements et dit « Conspiration, conspiration !» Alors le sacrificateur Yehojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Yehojada traita avec lui tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Matan, prêtre de Baal. Yehojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athali par l'épée. Le second livre des Chroniques, chapitre 24. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beer-Sheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Yehojada. Yehojada prit pour Joas 2 femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit « Allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu et mettez à cette affaire de l'empressement. » Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Yehojada, le souverain sacrificateur, et lui dit « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'ensemble d'Israël pour la tente du témoignage ?» Car l'impie Athali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fît un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devait le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Yehojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Yehojada le reste de l'argent. Et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Yehojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel.
Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, « Que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. » Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui. Zabad, fils de Skiméat, femme ammonite, et Josabad, fils de Skimrit, femme moabite. Pour ce qui concerne ses fils, le grand nombre de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires sur le livre des rois. Amatsia, son fils, régna à sa place. Le second livre des Chroniques, chapitre 25. Amatsia devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joaddan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. » Amatsia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite, en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde, dans Israël, 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amatsia dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm,
afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Judas, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amatzia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel, et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séir. Et les fils de Judas en saisirent 10 000 vivants, qu'ils menèrent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent, et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amazia avait renvoyée pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans les villes de Judas, depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon, y tuèrent 3 000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Lorsqu'Amatzia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatzia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ?» Comme il parlait, Amatzia lui dit « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe ?» Le prophète se retira en disant, « Je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après s'être consulté, Amazia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, « Viens, voyons-nous en face. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amazia, roi de Juda, « L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. « Tu as battu les Édomites, penses-tu, et ton cœur s'élève pour te glorifier. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda ?» Mais Amatzia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi, parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amatzia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amatzia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'emmena à Jérusalem, et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu, chez Obed-Édom, et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Amazia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amazia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël? Depuis qu'Amazia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis et on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda. Le second livre des Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatzia. Ozias rebâtit Éloth et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatzia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Maonites.
Les Ammonites faisaient des présents à Ozias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes comptées d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jehiel et le commissaire Maaseja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Ils commandaient à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances et des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète. Ozias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de sépulture des rois, car on disait « il est lépreux ». Et Jotham, son fils, régna à sa place. Le second livre des Chroniques, chapitre 27. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yeruska, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Ozias, son père. Seulement il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Ammon et il l'emporta sur eux. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là 100 talents d'argent, 10 000 corps de froment et 10 000 d'orge. Et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David,
et Akaz, son fils, régna à sa place. Le second livre des Chroniques, chapitre 28. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines, et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Pekak, fils de Remalia, tua dans un seul jour, en Juda, 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaseja, fils du roi Zricam, chef de la maison royale, et Elkana, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles. Ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit « C'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains. » Et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes? Mais vous, n'êtes-vous pas coupable envers l'Éternel, votre Dieu? Écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Yochanan, Berechia, fils de Meskilémoth, Ézéchias, fils de Shalum, et Amasa, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée et leur dirent « Vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. » Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus, ils leur donnèrent des habits et des chaussures, ils les firent manger et boire, ils les joignirent, ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués, et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, battirent Juda et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Guédérot, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Tilgath-Pilnéser, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traitant en ennemi et ne le soutint pas. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé, et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel,
Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem, et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Achaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Le second livre des Chroniques, chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit « Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel, et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent. Makat, fils d'Amazaï, Joël, fils d'Azaria, des fils des Kéatites, et des fils des Mérarites, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéalélel, et des Guerconites, Joach, fils de Zimma, Éden, fils de Joach, et des fils d'Elitsaphon, Skimri et Jehiel, et des fils d'Azaph, Zacharie et Mattania, et des fils d'Aiman, Jehiel et Skimei, et des fils de Yedutun, Skemaéja et Uziel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias, et ils dirent, « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés pendant son règne, lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel.
Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où on commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, et on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchiel prit alors la parole et dit « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Le second livre des Chroniques, chapitre 30. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. » Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. » Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon.
Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant « Veuille l'Éternel qui est bon, pardonner à tous ceux qui y ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours, car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs lui donnèrent 1000 taureaux et 10000 brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Le second livre des Chroniques, chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, et dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leurs villes, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges, aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de ces tas.
Alors le souverain sacrificateur Azaria, de la maison de Sadoc, lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le lévite Conania en eut l'intendance et son frère Skiméi était en second. Jehiel, Azazia, Nakat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Eliel, Jismakia, Makat et Benaja étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Skiméi, d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Le lévite Coré, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden, Benjamin, Josué, Semaïja, Amaria, Skekania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leurs divisions. Aux mâles enregistrés depuis l'âge de 3 ans et au-dessus, à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service selon leurs fonctions et selon leurs divisions, aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle, et aux lévites de 20 ans et au-dessus, selon leurs fonctions et selon leurs divisions, à ceux de toute l'assemblée enregistrés avec toutes leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne, dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Le second livre des Chroniques, chapitre 32. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. « Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance ?» Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire « Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse ? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit « L'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie » N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem « Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums » Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays ? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main ?
Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. « De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. » Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui et sur Juda et Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en moût et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menu et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoz, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort, et Manassé, son fils, régna à sa place. Le second livre des Chroniques. Chapitre 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels aux Baal. Il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu, dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, «
C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem, dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David et à l'occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons, et dont il entoura la colline, et il l'éleva à une grande hauteur. Et il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les Actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il sacrifia toutes les images taillées qu'avait faites Manassé son père, et il les servit. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le second livre des Chroniques, chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout, au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Scaphan, fils d'Atsalia, Maaseja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur, Hilkija, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu,
et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueillis de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Yakat et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Mesculam d'entre les fils des Kéhatites. Tous ceux des Lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Scaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Scaphan, et Scaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Scaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Scaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Akikam, fils de Scaphan, à Abdon, fils de Miché, à Scaphan le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi, « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. » Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Scalum, fils de Tokehat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. » Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu. » dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père.
Le second livre des Chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, « Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel votre Dieu et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, et préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. » Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de 30 000, le tout pour la Pâque, et 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ses chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites. Ilkija, Zacharie et Jehiel, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2 600 agneaux et 300 bœufs. Conania, Shemaéja et Netanaël, ses frères, Ascabia, Jehiel, Jozabad, chef des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque 5 000 agneaux et 500 bœufs. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place selon leur division, d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque, et les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles, et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Les chantres, fils d'Azaph, étaient à leur place, selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Éman et de Yedutun, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir les holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, sur l'Euphrate, et Josias marcha à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem
pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Le second livre des Chroniques, chapitre 36. Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda, sur Jérusalem, Éliakim, frère de Joachaz. Et il changea son nom en celui de Joachim. Nécho prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, frère de Joachim. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captives à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays jouît de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda.
qui d'entre vous est de son peuple ? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte.